L'Internet, à l'heure actuelle, quand on est bien équilibré, on ne peut pas apprécier des choses comme ça. Imaginez un peu les réunions que les gens font entre eux à travers l'Internet. Imaginez un peu les cours que les gens suivent à travers l'Internet. Imaginez les enfants, les parents qui ont leurs enfants à l'étranger avec lesquels ils doivent échanger tous les jours. Imaginez les communications qui se passent même entre nous, à travers l'Internet. Couper un tel patrimoine ou restreindre un tel patrimoine, bien évidemment, ça ne peut que faire mal. Ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a pas de communication officielle pour informer les raisons pour lesquelles l'Internet a connu cette perturbation. En principe, quand vous êtes dans un pays comme la Guinée, si ça ne fonctionne pas, vous devez informer le peuple que ça ne fonctionne pas. D'après ce qu'on apprend, il semble que le câble qu'on a en Guinée, on n'a que ce câble. Pendant que la Côte d'Ivoire en a 4. Pendant que le Sénégal en a 5. Nous, on n'a que ce câble. Avec le besoin exprimé, c'est évident que ça ne peut pas tenir. C'est ce qu'on apprend. Mais en principe, le gouvernement devait faire une communication officielle pour expliquer au peuple pourquoi nous sommes dans cette situation. Une journée sans presse, c'est comme si on vivait une journée sans oxygène. Parce que c'est vous qui donnez l'information. C'est vous qui informez le peuple. C'est à travers vous qu'on apprend ce qui se passe. De bien comme du mal. Si vous restez une journée sans information, c'est comme si vous avez passé une journée sans oxygène. Et là, on ne peut pas apprécier ça. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de ce micro pour interpeller tous ceux-là qui ont la possibilité de résoudre cette question, le fassent maintenant pour le bonheur de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le contexte actuel sans l'Internet. Si c'est au niveau du gouvernement, si c'est au niveau des privés, en tout cas, tous ceux qui peuvent apporter une solution appropriée à cette question, je pense que c'est le bon moment de le faire parce que le peuple en a besoin, parce que c'est un instrument sans lequel il est très difficile actuellement de mener des activités.